Bonjour YouTube, bienvenue pour cette VOD de Dark Souls 3 qui a un nombre entier dans son intitulé. Lequel, je sais plus. Mais c'est une nouvelle VOD, c'est la suite. Et on va retenter de se faire le boss de ces morts qui m'avait bien fait rager la dernière fois, ça va être un plaisir. J'ai pas tant ragé que ça la dernière fois, ça m'avait juste énervé, ça m'avait saoulé. Mais je me suis pas, j'ai pas ragé, je me suis pas... voilà. De mémoire en tout cas, je m'étais pas vraiment énervé. J'étais juste saoulé, bon. En tout cas, l'objectif de ce soir, et donc de cette VOD YouTube, et potentiellement de la suivante, c'est de tuer ce boss. Voilà. Ouf. Navré. Alors, oui, c'est vrai. Là, il va falloir faire attention aux deux zigotos qui se déplacent, là. Voilà, je pense que je suis assez loin, tout à fait. En plus, il y a tout le chemin de merde là pour revenir au boss. Ok. Je veux juste être sûr de comment on attaque, parce que j'avais un doute. J'avais un doute pendant un instant, je me suis dit c'est X, alors que... Non, X et les objets, ça c'est... Ouais. J'ai un peu oublié entre temps, donc oui, c'est terrible. Donc là, on passe vite. On passe vite. Voilà. Et on repasse vite. Non, ah non. Mais quoi? Mais bah, mais attendez, c'est la première fois qu'il me fait ça. Mais la dernière fois, il faisait que son attaque chargée, ce qui me permettait l'esquive. Oh l'enfumier. Putain, mais j'arrive avec déjà tellement de vie en moins. Et une fiole d'estus. Enfin, du coup, une fiole d'estus, l'équivalent d'une fiole d'estus dans le cul. Bon alors de mémoire, fallait essayer de rester au cac. Mais putain, mais je déteste quand il fait ça mon perso. Ça commence bien. Je déteste quand je lui dis de faire une attaque et que je spam. Parce que je me dis bah c'est le moment. Mais que du coup... Je me rends compte que c'est plus le moment. Et du coup je vais esquiver. Sauf que non, puisqu'il a démarré l'animation de la deuxième attaque bien après que j'ai appuyé. Donc c'est chiant. Donc c'est désagréable. Et en plus c'est lent dans les animations. Donc faut vraiment que je... Faut vraiment... Oh putain, en vrai faut que je donne un coup à chaque fois. Oh, ça va être un enfer. Oh, ça va être un enfer. Faudrait que je donne un seul coup à chaque fois. Ça va pas très très bien se passer. Je sens que ça va pas très bien se passer, non? J'aurais dû arrêter ce let's play. J'aurais dû en redémarrer un autre sur un jeu plus simple. J'ai un pote qui m'a recommandé une remac de Pokémon où en fait les Pokémon ont été remplacés par des monstres Yu-Gi-Oh! Voilà! Ça c'est bien! C'est plus simple, c'est moins prise de tête, c'est plus rigolo, voilà! J'aurais dû faire ça, j'aurais dû arrêter le let's play sur Dark Souls 3 en prétextant que... Oui, mais le jeu chez moi, il marche plus! Je sais pas pourquoi, mais il marche plus, c'est la faute de From Software et Konami, oh là là! Il marche plus, je peux plus y jouer, c'est terrible, oh non! Me voilà fort désillusionné! Mais quoi? Mais j'ai appuyé sur le bouton d'esquive! Mais putain, mais... Mais mon perso, il a fait les roulades dans le mec. D'accord. Je sais pas qui tu es, mon grand maître Sullivan, mais écoute, j'en ai rien à foutre. Je veux juste que tu crèves. Ouais, non, mais là, c'est ma faute, ok. J'avais oublié ça aussi, les box de merde. Mon épée, elle fait ça, mais sa hitbox, c'est ça. Ah. Ah oui, ça par contre, ça m'énerve. À la limite, quand je meurs parce que j'ai pas compris le pattern, pourquoi pas. Mais quand j'ai réussi visuellement mon esquive, mais que je suis mort quand même à cause de la hitbox du coup du boss qui fait genre la taille d'un putain de poids lourd.
C'est un paquebot son épée, alors qu'on dirait un cure-dent quoi, c'est n'importe quoi. Ça m'énerve. C'est agaçant. Nous dirions que c'est agaçant. Mais enfin. On va bien finir par y arriver à un moment. J'espérais pouvoir essayer de finir le let's play sur Dark Souls 3 avant la fin de l'été. Bon, je me rends compte que c'est plutôt mal barré. Même si pour le coup la Chrono Trigger c'est quasiment terminé, hein, je pense qu'il nous reste j'avais dit dans le dernier stream et du coup dans la dernière VOD qu'il resterait probablement qu'une seule VOD slash qu'un seul live. Peut-être qu'il y en aura un dernier. Peut-être qu'il y en aura deux encore. Parce qu'il y a peut-être des trucs à faire et tout en quête annexe que je veux peut-être tenter. Mais je suis pas sûr. Ok. Ah non mais putain, mais j'ai refait l'erreur. Ah bah là par exemple ça m'a pas touché. Ah mais j'ai respam putain. Bah oui, bah là j'ai appuyé sur le bouton, mais putain. Ah. Un bon moment que voilà. En plus, attendez, il y avait pas une... Mince, attendez, il y avait pas une dinguerie comme quoi j'étais genre à un point plus de compétence de pouvoir obtenir mon épée là. C'était pas... Enfin, de pouvoir utiliser l'épée... Ça ouais. Si, je suis à 1. Je suis à 17. Non, pardon, c'est la vigueur. Non, c'est la dextérité. Oui, c'est ça, je suis à 17 de dextérité. Oui, mais ça marchait aussi. Ah, et du coup, j'ai zéro âme, donc je peux même pas monter. Mon... Putain. Parce que si ça se trouve, avec l'espadon, je m'en sortirais mieux. Peut-être que j'aille farmer. Non, je ne farmerai pas. J'utiliserai ma détermination. Ce sera ma meilleure arme. Et d'ici 2 heures, si je l'ai pas battu, je sens que je vais peut-être craquer psychologiquement. Ah, on dirait peut-être jouer à un autre jeu après. Hein. Ou si ça se trouve, il y aura qu'une seule VOD parce que je vais juste craquer de fou sur ce boss. Hein. C'est pas impossible aussi. Peut-être qu'il y aura juste qu'une heure de VOD de stream sur Dark Souls et qu'on va enchaîner sur un autre jeu pour calmer mes nerfs. Parce qu'il y en aura besoin. Ne nous mentons pas. Complètement oublié de sprinter. Ah mais du coup là le chien poursuit. Ouais. C'est pas très cool. C'est bon, il a arrêté de me suivre. Qu'est-ce qui est sûr, c'est que s'il continue à me poursuivre, je l'entends plus. Oui, 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 fais ça, c'est très bien. Ça me laisse le temps de pas... Parfait. Voilà, merci. Ouf. Ok. Alors concentrons-nous, on va se concentrer. Je vais essayer d'observer le boss, d'être un peu plus attentif à ce qu'il fait. Et moins attentif à ce que je fais. Et je pense que je vais y aller un coup par un coup parce que sinon ça va me... C'est... Les animations malheureusement... Ah ! Oh ouf ! Mais pute ! Mais pute ! Mais putain ! Oh non, 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 non. En fait, je rigole déjà du malheur qui m'arrive, parce que j'ai tout compris en fait, j'ai parfaitement compris. Pas le boss, hein, mais ce qui va m'arriver, c'est-à-dire que là, au point où j'en suis, je n'ai rien en fait, j'ai rien. C'est affreux. Ah, c'est affreux. Il est affreux, ce boss. Le jeu aurait planté, j'aurais arrêté tout de suite et j'aurais dit « Bon, bah, on se retrouve plus tard, hein. » Ah, sa race. Oh, sa grande race, quoi. Ah. Ah, bah, le jeu a décidé qu'il ne fonctionnerait plus très bien. Qu'est-ce qui lui arrive?
Ça fait deux freezes en moins de 30 secondes. Je pensais que le chien me suivait encore, mais non, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il a, le jeu? Mais qu'est-ce que c'est? Il va me faire ça pendant le boss. Vous sentez ou pas qu'il va me faire ça pendant le boss? Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais je peux même pas faire pause, en fait. Il ne s'échauffe pas trop, donc ça va. Qu'est-ce qui me branle? Genre le jeu là il s'est dit... Là j'ai marché pendant... Ça fait combien de temps qu'on a commencé? Ça fait une petite quinzaine de minutes qu'on a... 11 minutes, ça fait 11 minutes qu'on a commencé, pardon. Je regardais pas au bon endroit. Non! Voilà. Fais ça, par exemple, c'est très bien. Non! Ouf! Mais en plus il peut prendre tarif facilement, c'est juste que... Ouais mais là, mais pareil putain. Mais je suis mort là. En fait j'arrive pas, en fait quand il fait le coup comme ça, j'arrive pas à le lire parce que il fait une feinte avant. Et c'est tout petit, mais ou alors c'est moi qui ai l'impression qu'il fait une feinte alors qu'il en fait pas, mais... En fait j'ai l'impression de voir son bras qui commence à s'asséner mais qui s'assène pas. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il le fait vraiment? Ah oh, putain, psychologiquement il est dur celui-là, il est dur. T'as l'impression de pouvoir rien faire de... Non mais par contre, sérieusement? Mais qu'est-ce que t'as? Bon attendez, parce que là ça va pas. Qu'est-ce qu'il me dit mon PC là? Est-ce qu'il y a un problème de surcharge ou quoi que ce soit? La mémoire un peu, mais enfin ça va. Enfin, c'est Streamlabs quoi, donc tu y as pas de soucis. Alors je peux fermer. Ouais, je peux fermer Steam déjà, hein, ça va désengorger un peu. Puis on n'a pas besoin de Steam. Hein. Faire mon. Non! Mais qu'il est con! Quand tu fermes Steam. Mais je savais pas que quand tu. Mais c'est nul! Oh, c'est nul à chier! Je savais pas que lorsque tu coupais complètement Steam, ça coupait complètement un jeu. Je viens de l'apprendre. Oh, je me sens un peu con là. Non, mais j'ai rien d'autre hein, qui tourne. Qui est vraiment lourd derrière. C'est chiant. Après j'ai les classiques, mais c'est pas... Enfin ça va quoi. Bon bah je relance le jeu. Attendez. Attendez, j'arrive. J'allais dire, oh non, je pourrais faire en mode, hein, oh bah non, le jeu il a planté, bon bah tant pis, on arrête de jouer. Non, non, non. On reprend. On y retourne. Ah j'en ai marre. Ah j'en ai déjà marre. Ce boss est une... torture. Psychologiquement, c'est une torture, vraiment. C'est... Parce que j'ai l'impression que les autres boss que j'ai fait, je voyais les ouvertures. C'est juste que j'arrivais pas à y accéder. Là, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'accède à l'ouverture, c'est pas une ouverture, c'est... Enfin, si, mais il riposte instantanément. C'est... Oui, il y a eu une... Oui, ça a cassé lors du truc précédent. Si ma sauvegarde est corrompue, je le jure. Non, elle est pas corrompue, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Mais si ma sauvegarde avait été corrompue, je le jure, j'aurais arrêté le let's play. Et j'aurais mis toutes les vidéos de Dark Souls 3 en répertorié. Et on n'en aurait plus jamais entendu parler. Et j'aurais fait, Dark Souls 3? Mais je n'y ai jamais joué. Je ne connais pas ce jeu. Non mais... Ça va être un bon moment. Laissez-moi prendre un peu de tisane. Pour m'apaiser. Voilà, l'apaisement. Ouais, si on tapait plus vite, si on faisait des esquives... En fait, si mon personnage était plus rapide, tout irait mieux. Mais genre vraiment tout... Mais c'est pas possible. J'ai vraiment le jeu qui a des problèmes, là. J'ai l'impression que mon PC a un petit peu de mal. Ce qui est pas commun en fait. C'est-à-dire que
J'ai jamais eu ce genre de problème, surtout sur Dark Souls 3 pour le coup. Sur d'autres jeux, ça a peut-être pu déjà m'arriver, mais et encore. C'était pas des freezes comme ça quoi, enfin. Bon. Concentrons-nous. Je vais essayer de rester silencieux. Je vais essayer de concentrer plus rien dire. Nique ta mère, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bon, alors... Il retourne. Vous savez quoi ? Je vais envoyer un message à mon père. Mais c'est bon, ça me saoule, là. Non, c'est bon, là. Il m'a déjà détruit psychologiquement. J'en peux déjà plus. En fait, j'en peux plus. Non pas parce que j'ai fait ce boss plein de fois, mais juste parce que je n'arrive pas à voir... Je n'arrive pas à trouver l'ouverture. Je n'arrive pas à trouver l'ouverture. Ça m'agace. Et autant sur le boss d'avant, la première phase, j'y arrivais sans trop de soucis. Mais la deuxième, pareil, j'arrivais pas à trouver l'ouverture. Autant là, c'est tout le boss. Et j'ai même pas réussi à lui asséner plus de deux coups. C'est quand même scandaleux. À chaque fois que j'essaie d'en asséner au troisième ou que j'en assène un troisième, je meurs. Non mais après cette tentative, j'appelle mon pote. Hein. J'envoie un message à mon pote en lui disant ce que... Putain, mais fils de pute. Fils de pute. Oh mais ta mère, la reine des chiennes quoi. Putain, mais c'est pas vrai. Bon, allez, concentration. Non, mais j'ai... Oh non! Mais non, mais il m'esquive! Mais esquive! Putain, mais... Ah, je vais essayer un truc. Et ensuite, j'envoie un message à mon pote. J'ai juste envie d'essayer un truc. Si ça marche pas, j'envoie un message à mon pote, on attend sa réponse. En continuant d'essayer le boss, et on se dit que voilà. On se dit que voilà, putain. Parle français au moins un petit peu, finis tes phrases. Aïe 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 aïe. Ah, je vous jure, il me met à mal. En fait, c'est vrai, j'arrive pas à lui asséner. J'arrive pas à aller très loin. Et là encore, j'ai réussi à aller très très loin. En fait, je pense aussi avoir compris quelque chose sur son coup où il fait une sorte de... Ah mais fais mais ta race. Ta grande race. Ta grande race, putain, mais sérieusement. J'ai rien demandé, frère. Rien demandé. Oh, c'est pas vrai, quoi. Ouf. Bon, allez. Je vais juste tenter un truc. Non, mais putain. J'ai compris. Oh oui, c'est ça. C'est ça. Ah, je l'ai. Oh. Oui. Enfin, je crois. Je crois avoir compris une ficelle du truc.
Faut que je fasse l'esquive vers lui. Faut pas que j'esquive vers l'arrière. Faut pas que je tente de m'éloigner. Faut que je me rapproche. C'est déjà ce que j'avais compris, je crois, la dernière fois, en me disant qu'il fallait que je reste le plus souvent possible au corps à corps. Mais en fait, c'est vrai aussi pour les esquives. Il faut pas que les esquives s'éloignent. Faut que les esquives se rapprochent de lui. Parce que... Bah, en fait, c'est con. Mais... Enfin, je viens juste de le comprendre, entre guillemets. C'est que, bah, son épée, elle fait ça, quoi. Elle... Ouais, à peu près. À vue de nez, elle fait ça, son épée. À vue de nez. Donc, c'est vrai que lorsque tu t'éloignes, alors que le début de l'épée est là, et que la fin, du coup, est... Et bah, du coup, là-bas... Quand tu vas par là, bah t'as plus de chances de te prendre un coup de l'épée que si tu vas par là. Et que là, bah du coup, t'arrives à la... Voilà, quoi. Donc oui, en fait, faut constamment que j'esquive vers lui. C'est pas... Oui, d'accord, c'est... Oui, c'est vrai que maintenant que je le dis, ça me paraît évident. C'est sûr, mais... Oh là, d'accord. Ouf. Donc on va tenter ça. On va tenter d'essayer de constamment esquiver vers lui. Si c'est juste... Enfin, si c'est juste ça. Je veux dire, si c'est ça la méthode... Bah maintenant que je l'ai trouvé, je vais essayer de le réussir tout seul. Mais uniquement si j'arrive... Enfin, si c'est ça. C'est-à-dire que si j'arrive à aller assez loin avec cette méthode. Parce que... Si ça se trouve... C'est pas ça du tout. Je vais juste me faire baiser moi dans l'histoire. Oui, parfait, merci beaucoup. Voilà. Chaos nécessaire. J'avais jamais vu ce message. Ça veut dire quoi, chaos nécessaire? Sacré coiffe que le mec avait. Bon. On va tenter ce que j'ai dit. Même si. Voilà. Là. Aïe! Non, mais esquive quand je te demande d'esquiver! Michel! Ah oui, mais alors. Oui, alors. Quand je disais vers lui, je disais pas dans lui. C'est-à-dire que voilà, faut. Ah, allez, tant pis. Mais ouais, j'ai l'idée en gros. I've got the idea. Donc, c'est vraiment ça en fait. Faut vraiment faire les esquives vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. Bon, le seul truc pas évident de ça, c'est qu'effectivement, des fois, il peut m'arriver ce qui vient de m'arriver, c'est-à-dire que je lui fonce dedans. Ah oui, d'accord, mais en fait, le boss, il est juste au-dessus. Ah oui. Ah oui, d'accord. En fait, j'aimerais bien tenter d'entrer dans l'église, là. Attendez, ça va faire du contenu, un peu. On va tenter de rentrer dans l'église. Infiltration dans l'église. On va juste attendre que les trois connards, là, qui étaient dedans, passent, parce que sinon, ils vont me défoncer la gueule, hein. Dès qu'ils voudront bien sortir... Je les entends. C'est bon. Oui, sortez. Qu'est-ce qui branle? Mais qu'est-ce qui branle? Mais... Mais il marche à quelle vitesse? Vous avez entendu? En fait, dès que je suis dans la zone, ça marche. Dès que je suis plus dedans, ils ont arrêté de marcher. Et là, ils marchent parce que du coup, bah, je les ai en visuel, mais... C'est extrêmement drôle, ça. Bon, alors, attendez, allez-y, passez. Passez. Mais j'avais pas déjà tenté d'y rentrer dans l'église?
J'avais pas déjà vu qu'il y avait que dalle. Oh putain! Oh putain, mais merci Sky, c'est très gentil. Oh la vache! Ah, j'étais concentré sur... J'étais concentré sur ces trois connards! J'étais pas prêt de... Merci beaucoup Sky, c'est très gentil. Salut, bon... bonsoir, salut. Ah merde, l'arrêt cardiaque. Bon bah l'église, c'est mort, hein. Voilà. Bon tant pis, moi qui voulais teinter l'église, c'est mort, hein. Ils ont décidé de rester à l'entrée. J'accepte. Oh la vache. Oh putain. Ah, je suis même pas sur un jeu d'horreur et j'arrive à avoir peur. Ah, c'est très très bon ça. Ouf, le chien. Bon allez. Je vais retenter le boss. Allez, je me donne combien de tentatives là? Allez. On se dit que je me donne encore 5 tentatives à partir de celle-là. C'est-à-dire que celle-là, c'est la première des 5 tentatives. Ok. Donc, tentative 1 sur 5. Et ensuite, j'envoie un message à mon pote. J'ai bien envoyé, c'est-à-dire que c'est même pas sûr qu'il réponde. Mais je pense que, comme je pense avoir chopé le truc, je me dis... Il y a peut-être moyen que sur un malentendu, ça passe. N'oubliez pas que dans le mot malentendu, il y a malentendu. Aïe! Aïe! Mais pas contre lui. Ah putain, encore. Ah, ça, c'est pas facile. C'est pas facile. En fait, faut que j'évite de d'esquiver. Il a fait le clip, ça y est. Faut pas que j'esquive. Faut que j'... Enfin, c'est horrible. C'est terrible. Faut que j'esquive vers lui, mais pas dans lui. Parce que bah, sinon, sinon c'était un mur en fait. Tout simplement. Ça marche. Hop. Bah si, c'est bon. Regarde. Enfin, dans le chat là, il y a les deux. Il y a les deux, regarde, hop, il y a les deux clips, c'est bon. Ah bah si, il y est deux fois, hein. Si, si, je le vois bien, il n'y a pas de souci. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors après cet arrêt cardiaque et cette mort. Ça m'énerve. Bah chez moi, ça s'affiche bien. Et tu regarderas sur le stream, il y a bien le lien du clip. Donc voilà, chez moi ça marche, il n'y a pas de souci. Donc peut-être chez toi qu'il y a une petite erreur, ça peut arriver. Vous savez, l'informatique, c'est, voilà, c'est un peu notre outil de tous les jours. Désolé d'avoir fait peur, mais c'est pas grave, Sky, y a pas de souci. Puis, en fait, tu m'as fait peur, encore ça va, parce que tu m'as fait peur dans une situation où j'étais caché par un mur. Tu m'aurais fait peur dans une situation où j'étais face au boss. Et que du coup, bon, bah voilà quoi, hein. J'allais me faire défoncer. Ah, c'est l'image du clip qui affiche une erreur. Ah bah moi, elle s'affiche bien, c'est pas un souci. Mais franchement, ça aurait été pendant le boss et j'aurais un arrêt cardiaque pendant le boss. Ouais, ça aurait été peut-être un peu plus chiant. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, encore 4 tentatives. Et j'envoie un message à mon pote pour lui demander s'il est disponible pour venir me PL. Allez, concentration. Ouh. Concentration. Tu esquives vers lui, tu essaies de rester au corps à corps. Parce que, même si... Voilà. Oui! Exactement! Oh oui, c'est comme ça! Oh oui, c'est... C'est parfaitement comme ça! Oh oui, c'est bon! Je l'ai! Oh, je l'ai! Oh, oh, oh! Oh! Oh oui! Oh mais maintenant tu te sens mal, maintenant que j'ai compris comment tu fonctionnais. Oh oui. Oh oui. Oh. 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 Oh oui. Ah non, je me suis éloigné. Ah, je me suis éloigné. Reste corps à corps. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. Il y a la deuxième phase. Let's go. Let's go. C'est une victoire en soi. C'est une victoire en soi. J'ai compris. Je l'ai. C'est bon. Oh, je suis trop content.
Oh, je suis si content. Oh là là, que vaut une mort pour un Simon Red. Ah oui, j'avoue, de toute façon, mais bon. Oh, let's go. Oh, let's go, je suis tellement content. On a réussi à la... On est allé à sa deuxième phase. Oh, let's go. Il y a toujours deux... des phases dans ces jeux-là. Oui, mais... Oui, mais j'avais espoir. J'avais espoir que non. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On a réussi. Genre, waouh. Mais j'étais tellement... J'étais tellement dans le flow. Oh, c'était incroyable. Ah, c'est fou. C'est pour ces moments-là que je joue à Dark Souls 3. C'est pour les moments où, tu sais, mon cerveau, tu vois, il retire tout le superflu. Il se concentre sur l'action. Et il dit, ok, tout va partir dans les muscles des mains et les réflexes. Oh là 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 là, je suis allé jusqu'à la deuxième phase. Bon, maintenant, faut que je comprenne la deuxième phase. Et faut que je puisse y retourner. Oh, quel plaisir. Oh, quel plaisir. Oh là là. Ok, ok, ok. D'ailleurs, ça te dérange si j'utilise le clip pour vos best-of, ça rendra... Mais franchement, fais-toi plaisir. Fais-toi un grave plaisir, y'a aucun souci. Ah là là. Oh putain. Oh, let's go. Let's go. Oh oui. Oh, je suis tellement content. Oh, ok. Bon. En tout cas, la deuxième phase, on retient. On ne va pas... Quand il rentre en deuxième phase, on ne va... J'ai oublié le chien. Ah, j'étais tellement en euphorie totale que j'avais oublié le chien. Ouais, mais donc du coup, quand il rentre en deuxième phase, on reste pas au cac. Non mais putain, mais ta race. Putain. Mais putain, mais ils me suivent tous. Non. Fais ta magie. Ah. Bon, c'est pas grave. Oh là là! Allez! On essaie de se concentrer, de se remettre dedans. Wow! Non! Mais non, mais non, mais c'est faux! Ah, c'est faux! Ah, wow! Non, c'est faux aussi! Ah! Non! Oh, dommage! Mais franchement, déjà je suis content parce que je l'ai compris et j'y arrive, je lui assène des coups. Et tout ce qui est important. Ah. On y retourne. Here we go again. Ah bah oui, mais là, ça va être que ça ce soir. Hein. Ça va être très certainement que ça ce soir. Hein. Oh là là, cette VOD. Faut qu'elle s'appelle l'espoir, cette VOD. Faut qu'elle s'appelle l'espoir. Oh la vache. Oh, j'étais tellement décontenancé, j'y arrivais tellement pas. Et là, mon corps s'est dit, attends. Attends, je prends le contrôle. Oh là là. Et là, on s'en est bien sorti sur cette deuxième fois aussi. Oh là 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 là. Ah, mais depuis que j'ai compris que le... Tout à fait. Ah là 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 là. Bon, on y est. Du moins, là, on est plus sur une phase de déprime, en mode, je sais pas comment faire le boss il est trop dur, je vais jamais y réussir, faut que j'appelle mon pote. Là, on est sur une phase où, non mais j'ai compris, maintenant faut que j'applique. Mais... Abandonne la... Putain, mais c'est pas vrai. Sa race de ses morts. Ah non, il fait ses coups rapides. Ok, grand maître Sullivan. C'est entre toi et moi. J'avais dit que je te ferais solo. Non, pas contre lui. Wow. Oui. Oui, parfait. Oh, oh.
Aïe! Aïe! Oh, j'avais pas vu venir celui-là. Celui-là, je l'ai vu, mais j'ai esquivé trop tard. Ok. C'est pas grave. La situation est débloquée. La situation est sous contrôle. Tout va bien. Parfait. Là, j'ai encore la joie et la bonne humeur d'avoir trouvé enfin comment lui faire mal. Game of Three. Là, je suis encore dans la joie, voilà, d'avoir trouvé comment lui faire des dégâts, donc tout est faisable. Là, il me reste à peu près 30 minutes de VOD, pour cette VOD-là. Je pourrais presque me dire que c'est faisable. Franchement, si sur la première moitié, j'ai réussi à comprendre comment lui asséner des coups sur sa première phase, sur la dernière moitié, il faut que maintenant j'arrive à maîtriser cette première phase. Pardon. Et du coup, la deuxième VOD sera sur la deuxième phase, très certainement. Oh, le chien. Mais putain, mais le chien, là! Au sens littéral du terme. Parce que c'est un chien. La putain de sa grande race, là. Fais ta magie, oui! Ah oui! C'est moi, Hannibou! Je viens pour te casser la gueule! Mais j'ai appuyé! C'est si faux! J'ai tellement appuyé sur le bouton! Ah, du coup, là, ouais, celle-là, elle est foutue. J'ai tellement appuyé! J'ai genre vrai. Enfin, what? D'accord. J'espère que c'est pas mon bouton B qui est en train de crever. Et que c'est juste moi qui ai des réflexes de merde, parce que si mon bouton B commence à plus fonctionner, ça va être terrible. Il fonctionne très bien, donc c'est moi qui l'ai fait trop tard. Bien, je tiens à m'excuser auprès de toute la communauté. Là, j'ai plus grand chose à dire, c'est... Là, on arrive à un moment où ça y est, je suis rentré dans le flow du boss. J'ai compris. Maintenant, tant que j'arrive pas à la deuxième phase, je peux pas la comprendre. Même si, en fait, je sens que la deuxième phase, ça va être la même chose. À une différence près, c'est qu'il avait des espèces d'ailes noires. Et que probablement que quand je vais entrer au caca avec lui, ses ailes vont me faire du dégât. Je suis quasi sûr que c'est ça. Mais il va me lâcher, ce chien ? Ouais, il m'a lâché. C'est bon. Oui! Oh oui! Oh, j'aime quand tu fais ta magie! Mais... Qu'il est con. Ok. Non, mais oui, mais j'ai spam. C'est ma faute, j'ai spam. Non, mais... Esquive, malandrin. Mais... Pas contre lui. Non, merde, putain, j'aurais dû le voir venir. Ah, j'ai voulu utiliser ma fiole, mais ouais, non. En fait, c'est quasi impossible d'utiliser une fiole avec lui, c'est... Waouh, c'est aussi pour ça que c'est pas facile, hein. Waouh. Ok. Non, j'étais en train de réfléchir à un truc, mais
J'étais en train de me dire, en fait, est-ce que c'est pas genre possible quand je suis au caca avec lui de juste de boire une fiole, mais en fait non. Parce que boire une fiole c'est très long. Quand je suis au cac, il continue les attaques en fait, il m'ignore pas, donc c'est genre complètement impossible. J'aurais jamais le timing pour ça, jamais. Très bien. Tu vas voir ce que tu vas voir. Non, j'ai... Oh là là. Oh, j'ai tellement chaté. Alors, on fait moi le malin, hein. Hein, grand dadais. Alors, on n'attend pas Patrick. Oh. Voilà, oh, là on s'éloigne. Ok, ok, deuxième phase. Donc là il a ses espèces d'ailes d'ange noir là, je... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que... Oh non. Oh, le fils de pute. Oh, je te déteste. Oh, je le déteste. Ah oui, d'accord. Bon, ça a pas l'air non plus la mer à boire. Il vient vraiment de faire un coup qui a fait fondre l'intégralité de ce qui me restait de ma barre de vie, sachant qu'il me restait un peu plus de la moitié de ma barre de vie. Ah ouais, on en est là. On en est là. Bon, l'avantage c'est que dans cette phase, on l'a bien vu, c'est pareil. Le seul truc, c'est qu'ils sont deux. Mais l'ombre, en vrai, on peut s'en foutre. Et c'est pas trop difficile de l'esquiver parce que j'ai l'impression qu'elle pop et dépop. C'est pas un truc qui est constamment là. Parce que ça aurait été un truc qui serait constamment là. Là, oui, je pense que ce serait chiant. C'est pas infaisable. Oh, c'est tellement pas infaisable. Oh là 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 là. Oh, je suis... Oh, je commence à me... Oh, je... Oh, j'aime cette sensation dans mon cœur. Oh, cette sensation de la détermination du... D'être sûr que je suis capable de le faire. This is getting out of hand. Now there is two of them. Ouais. Putain, ça vient d'où ça déjà, merde. Oh, ça vient d'où ça déjà. Ah, j'ai oublié. Mais je vois très bien d'où ça... Enfin, je connais Star Wars 1. Merde. Putain, en plus j'ai vu il y a pas longtemps. Après j'ai vu en français. Je connais juste le... Attends. Merde. Now there is two of them. Oh, j'ai vu il y a pas longtemps le film en plus. Oh la honte. Oh la honte. En fait, en plus, dans ma tête, je me suis dit c'est un Star Wars, mais comme j'arrive plus à me souvenir de la scène du tout, j'avais un doute. Oh, ok. Donc on se rappelle la même chose, mais juste au cac. Enfin, mais juste. On fait attention à son double. Oui. C'est bien. Ah, c'est pas bien là. Il vole. Oh l'enfoiré. Oh l'enflure de bidet. Oh la raclure.
Oh non! Oh non, il vole! He's flying! Like a butterfly! Ah la vache! Ah, il vole! Ah, et voilà qui est plutôt quoi. Qui me laisse perplexe! Ah, je me suis dit, non, mais ses ailes, c'est juste pour décorer! Ça sert pas du tout à décorer, elles sont fonctionnelles! Moi, le bouclier, par exemple, il est là pour décorer! C'est vrai que techniquement, le bouclier me sert à rien. Et me ralentit. Donc, je me dis, je vais peut-être me l'abandonner en fait, hein, pour l'instant. Allez, vas-y, dégage. C'était comment déjà pour... non, ça c'est... comment... Oh, merde, comment je faisais... Y? Ouais, c'est ça, Y. Pour passer en mode... Ouais, je donne des coups moins forts quand même. Enfin, moins rapidement. Pas tant que ça, hein. Par exemple, attendez. Ouais. Bon, on va dire qu'on va garder à une seule main. Mais en retirant le bouclier, ça me donnera plus de vélocité. C'est tellement placebo le truc que je suis en train de penser. Ah, oh, c'est tellement placebo. Je suis sûr que ça va rien changer. Mais de toute façon, je l'utilise pas le bouclier. Donc j'ai presque envie de dire pourquoi l'avoir du coup. Pourquoi le prendre? Parce que si... Même si ça me fait perdre quoi, allez... 2 kilos, bon, allez, c'est toujours 2 kilos de prix, hein. Alors... Ah non, mais je... Ah, j'ai été distrait. Non, c'est ma faute. C'est complètement ma faute. Je sais pas pourquoi j'ai regardé là et je me suis dit oui, alors attends, le temps que j'y arrive, je regarde rapidement. Et là, je suis revenu et il était en train de me foncer dessus, c'était trop tard. C'est ma faute. C'est entièrement de ma faute, je regardais pas devant moi. Bon, je pense que c'est pas impossible qu'on le bute au moins sur la deuxième VOD. Donc c'est-à-dire dans la prochaine heure. Je pense que c'est totalement faisable. D'ailleurs je me dis, il y avait combien de seigneurs des cendres déjà? Il y en avait 3. Qu'on en a fait un, donc il en reste 2. Donc on a fait un tiers du jeu en fait. Enfin, là un gros tiers parce qu'on est arrivé jusqu'ici, mais ça reste un tiers. Blurps, navré. Fais ta magie noire. D'accord. Non, j'ai... Ah, j'ai failli faire l'erreur. Non, 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 c'est faux. C'est archi faux. Oh oui, bah voilà, c'est faux, c'est bien ce que je dis. Voilà, exactement. Mais non, pas exactement comme ça. Pas du tout. Ça va, vous, sinon vous avez passé une bonne semaine? Si vous êtes en vacances, est-ce que vos vacances se passent bien?
Si vous travaillez encore, est-ce que le boulot se passe bien? Si vous étudiez encore, est-ce que vos études se passent bien? Est-ce que voilà, est-ce que votre week-end s'est bien passé? Est-ce que votre samedi s'est bien passé? Voilà, est-ce que voilà. Discutons, parce que le temps de revenir au boss, de toute façon, j'ai le temps un peu de discuter, hein, sans pour autant non plus trop me déconcentrer, mais bon. Voilà, hein. Occupons-nous comme on peut. Hein. Fichtre. J'ai toujours le chien à mes trousses. Ouf! Je suis jamais en vacances. Ah! Aïe, mais... Clébard de merde! Désolé, j'adore les chiens, hein, mais ce genre de chien, ça peut aller crever, enfin. Mais comment ça se fait que t'es jamais en vacances? C'est c'est que t'as un boulot et t'as pas de congé? Ou c'est Oui, mais non, mais non, mais... Non, bah oui, bon, là, je déconnais aussi, putain. Là, j'ai fait n'importe. J'avoue, j'ai ni boulot ni congé. Ah! Ah d'accord. Effectivement. Ouais. Bah, moi je suis étudiant donc du coup là, là j'ai 2 mois de vacances. Puis ensuite, reprise. En plus moi reprise pas en France, hein. Je m'en vais. Je m'envole, bisous je m'envole. Direction le Canada. D'ailleurs, il y aura sûrement une vidéo et sûrement aussi un stream mis à jour avant que je parte pour parler un peu justement de ce qui se passera parce que le rythme de stream risque peut-être de ralentir considérablement. Je vous expliquerai tout ça évidemment en détail le moment venu. Du coup, t'as ni boulot ni congé, Sana. T'es étudiant, t'es. Ouf. Hop. Voilà. Non mais esquive putain. Mais c'est pas... Ça m'énerve quand même d'avoir... Un mec aussi long et peu vif que lui, hein, en personnage jouable. Parce que des fois tu t'énerves plus contre lui que contre les ennemis quoi. Aïe. Ça pique. Ouf. J'ai donné 2 coups dans le vide. Bravo. Alors là, bravo. Oh. Okay. Wow, wow, wow. Je comprends plus rien là. Pardon. Donc maintenant il vole et il a une attaque à distance. Aïe aïe aïe. Non, je suis plus étudiant depuis un bail pour le boulot, je m'en sors pas, j'ai raté une case en or il y a pas longtemps. Raison pour laquelle j'ai pas été prise. Étant si bidon qu'il n'y avait même pas de raison, et chez moi j'ai rarement du temps libre. Ah. Ah bah je suis désolé pour toi, Sana, bah, en espérant que ta situation améliore, et puis faut... Je sais que probablement on te l'a déjà beaucoup dit, mais faut jamais désespérer. Hein. Il y a... T'auras sûrement d'autres opportunités qui vont s'ouvrir, et... Et qui sait, peut-être qu'à un moment tu vas trouver un boulot exceptionnel, hein.
Mais en tout cas, accroche-toi et puis... Puis ouais, un gros soutien dans tes recherches en vrai. La vie, c'est jamais facile. Ça, je l'ai bien compris. À multiples reprises, je l'ai compris. Ça... Après, rien n'est jamais une fatalité. C'est ce qu'il y a peut-être de plus difficile à comprendre. Mais rien n'est jamais une fatalité. Donc faut toujours s'accrocher et tout. Tout peut toujours s'arranger. Mais faut s'accrocher. Allez, oui! Oh, il fait son truc. Exceptionnel. Ça m'évite d'avoir à esquiver. Bon. Donc la deuxième phase. En plus d'être deux. Pardon, il peut me faire une attaque aérienne et une attaque à distance qui fait cette taille-là approximativement. Bon. Surtout que là, il a été giga vénère sur sa phase 2. Non, j'ai esquivé la tarasse. Ah, adieu. Ah non, c'est bon. Non, oh merde, mais ta mère. Oh ta race, vas-y tue-moi, c'est bon. JPP quoi. Mais j'ai esquivé au début, j'ai appuyé, j'ai... Bah évidemment, c'est le jeu a raison parce que c'est dire que j'ai pas appuyé au bon moment. Ça m'énerve, ça m'agace, il me saoule, mon personnage me saoule, voilà. Regardez la lenteur, regardez, là, j'appuie. J'ai vu là, le temps que ça prend. J'appuie. 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 Mais la latence de fou. J'avais jamais vraiment pris le temps de regarder, mais ah ouais, c'est latence de fou. Les coups c'est pareil, je suppose. J'appuie. J'avais jamais essayé de me rendre compte à quel point mon père, enfin je savais qu'il était lent, mou du genou et tout et que c'est aussi un peu le ce qui fait le charme du jeu. Ta mère putain. Mais ta mère épisode 2, mais ta mère épisode. Ouais vas-y tuez-moi. Putain. Il m'énerve ce chien, il m'énerve. Des fois il me suit, des fois il me suit pas. Pourquoi? J'en ai plein le cul. En fait, je me dis presque... Oh, attendez, j'ai envie d'essayer un truc. Oh, c'est complètement con et ça va me mener à rien. Mais au moins, je l'aurais... au moins, je l'aurais fait et j'en serais sûr. Je vais d'avoir une idée. Si mauvaise. Et pourtant... Pourtant, on va essayer. Déjà, ici, on est sûr qu'il y a que dalle. Si, il y a un chemin à gauche. Oh, venez, on tente le chemin. J'en ai rien à foutre, je tente le chemin. Oh oui! Oh oui! Il y a effectivement un chemin, mais la porte est fermée. Bon, d'accord. Après, sinon, ça mène vers la gauche. Bon. Très bien. Du coup. Du coup, on va tenter l'autre truc que je voulais essayer. C'est-à-dire que là, on a bien vu qu'à l'église, il y a qu'un seul chemin. Parce qu'à droite, là, je sais pas si vous l'avez vu, je crois que c'était un mur de briques. Hein. Ça ressemble à un mur de briques, en tout cas. Mais sinon, il y a la possibilité de passer purement et simplement devant la porte du boss et de pas y entrer. Ça va me mener à rien et je vais juste me taper le deuxième mec que je me souviens qu'il y a. Mais si on avait entendu, il se passe un truc. Sur un malentendu, je trouve un feu de camp. Bien plus près du coup du boss. Beaucoup moins chi... Mais putain, ta race, le chien. Voilà. Meurs. Merci beaucoup. Et maintenant, on y va.
Donc là-bas, y'a rien. Et là, y'a quoi? Oh non, y'a la porte. Oh! J'ai ouvert la porte. C'était une mauvaise idée! Depuis le début. Ah, mais y'a un mec là! Bonjour! Depuis le début! Oh, je suis très fier de moi, j'ai réussi! Oh la vache! Oh, j'ai survécu! Ça servait à rien, vraiment à rien. Mais je l'ai fait. En plus, là, eux, voilà, eux, ils sont tous couteaux à la main. Parce qu'ils sont réveillés. Donc c'est vraiment devenu le pire chemin. Oh, putain, mais va te faire enculer. Vas-y, je vais me faire défoncer par le boss un coup, là, ça va être marrant. Mais au moins je serais passé par là et j'aurais vu que bah il y avait rien. Mais pardon. Non mais pardon. Mais putain, mais les hitbox. Quand il fait le coup qui me touche pas là, enfin vous savez quand il fait son truc plus haut et qui me touche, ça me frustre. Ça, visuellement ça se voit que ça me touche pas. C'est une frustration. Ça y est, on revient dans le sel. On y retourne. On retourne dans le sel là. Back into the cell. Mais bon, au moins, on a atteint la deuxième phase et on a réussi à aller plutôt loin à la deuxième phase, on va pas se mentir. Mais ça n'a pas été suffisant. Et évidemment, il va falloir qu'on commence moult fois. Je pourrais presque... Non, on va pas le faire. Tant pis, je prends ce chemin-là. Même s'il est chiant à cause du chien. Il est toujours moins chiant que de passer à gauche et de passer par le mec qui m'envoie des flammes avec sa croix du démon. Donc là, le chien m'a pas suivi, par exemple. Si ! Oh l'enculé ! Mais ta mère, mais putain, mais va crever en enfer, mais fils de pute. Oh, j'en ai marre. Mais ta... Bon, je vois qu'il est temps de mettre fin à cette VOD qui finit pas sur une très bonne... Merci YouTube d'avoir regardé cette VOD, j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire. Et on se retrouve pour la prochaine YouTube. Allez, des bisous. Salut.